Le Hezbollah a organisé le mardi 31 mars une tournée aux journalistes pour les informer de certains volets du plan global d'assistance à l'État et à la société libanaise afin de surmonter la pandémie du coronavirus. Dans le cadre de cette lutte, le Hezbollah libanais a déployé plus de 20 000 personnels soignants, un hôpital déjà fonctionnel dédié au Covid-19, 4 autres hôpitaux désaffectés en cours de rénovation, 32 centres médicaux et 3 hôpitaux de campagne. Le Hezbollah a inauguré 2 centres de dépistage, une flotte d'ambulances équipées pour la plupart de respirateurs, ainsi qu'un hôpital entièrement réorganisé pour pouvoir accueillir les malades du Covid-19. Notre objectif est de soulager les hôpitaux publics et le gouvernement, a expliqué Hussein Fadlallah, le responsable de la région de Beyrouth du Parti libanais. Il a ajouté que le mouvement mettait également à disposition son contingent de 25 000 volontaires et ses médecins.